Salut salut, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une vidéo haul action comme vous l'avez vu dans le teaser. J'ai mon gros sac ici et j'ai un truc à vous montrer qui n'est pas dans mon sac parce que ça ne rentrait pas. J'ai acheté chez Action cette petite merveille, vous savez les espèces de... Est-ce que c'est écrit en français quelque part? Non. Les espèces de destructeurs de documents. Elle m'a coûté je crois autour de 13,99€ je crois. De toute façon je vous remettrai à chaque fois les prix ici. Mais voilà, ça reste, je crois que dans les magasins à peu près basiques ça coûte entre 20€ et 30€. Je suis pas sûre à 100%, ça fait longtemps que je voulais m'en prendre une, mais bon, je trouvais pas que c'était l'achat absolument à faire, parce que bah, je détruis parfois des documents bancaires, etc. Et j'aime, enfin c'est, je m'amuse, mais ça me saoule, hein. Je m'amuse à les déchirer en milliards de morceaux, à les mettre un peu dans l'eau, etc. Ça doit pas être la bonne façon, mais du coup je me suis dit que ça pouvait être très pratique déjà pour éviter de passer 3 heures à tout déchirer. Donc voilà, premier achat. Pour ma fille, j'ai acheté encore une fois des petites claquettes pour les vacances, pour tout ça, parce qu'elle adore ça, elle. Donc voilà, des petites claquettes roses qui coûtaient, je crois, autour de 75 centimes. C'était une offre, ça valait vraiment le coup. Donc ça, c'était top. Toujours chez Action, j'ai acheté ce petit truc-là que si vous avez suivi un peu mes hauls Action, Tiger, etc. Je l'avais trouvé chez Tiger dans le même style, un peu vert. Pas très beau d'ailleurs, à 1€, et là il était à 60 centimes ou 70 centimes, donc ça c'était plutôt cool. Pareil, c'était pour ma fille, pour ma classe cette fois-ci, parce que si vous ne savez pas, je suis enseignante en CP, et du coup l'année prochaine j'ai pas beaucoup d'élèves, j'ai bien l'intention de faire des petits ateliers, et là je m'étais dit pour travailler avec certains élèves en difficulté, ça pouvait être super cool. Donc c'est des puzzles de mots et des puzzles de calcul, voilà comment ça se présente, c'était autour de 3€. Honnêtement, je trouvais ça très très bien pour travailler les lettres de l'alphabet ainsi que les sons et les syllabes. Et celui-ci avec les petits calculs comme ça, c'est très très bien pour le CP. Je trouve que c'est des jeux qui ont l'air très sympas, donc j'ai hâte de les mettre en pratique dans ma classe. Mais vous verrez ça sûrement dans des vlogs. Dans tous les cas, je vous en reparlerai. Et si vous les trouvez honnêtement et que vous avez des enfants en grande section CP, ça peut être vraiment un gros truc à acheter. Ensuite, j'ai acheté des bonbons pour ma fille en fait. Il me manque l'étiquette, mais c'était autour de 89 centimes. C'était l'offre du moment là. J'ai craqué aussi pour des Malteser. Je sais plus combien c'était, mais voilà, j'ai presque fini. Il en reste un tout petit peu, mais j'adore ça, les Malteser. C'est genre mon petit péché mignon, mais quand j'en ai, et j'ai du mal à m'arrêter de les manger. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais j'adore, j'adore, j'adore. Ensuite, je voulais absolument trouver ces petites merveilles-là chez Action. Avec ma belle-mère, on était trop contentes de les trouver. Vous savez, c'est des sortes de couvre-plats à trois tailles différentes. Et c'est comme un petit peu les charlottes pour mettre sur la tête quand vous allez sous la douche. Ben voilà, c'est le même principe, mais pour les plats de la marque Dumil. Et c'était 89 centimes, donc j'ai fait un peu la razzia parce que j'en trouve pas chez moi d'habitude. Et là, j'étais chez ma belle-mère, donc j'en ai profité parce qu'il y en avait plein. Je vais vous montrer tout de suite parce que je sais pas où les mettre. Chez Sostrengren, c'est un site où vous trouvez plein de déco un peu comme Action. J'ai trouvé juste ça, je voulais vous les montrer parce que je les adore. Et je suis super heureuse, c'est l'été célestial que d'habitude vous pouvez trouver sur le site iHerb. Et bien là-bas, vous avez tout l'été célestial que vous voulez. Et celui-ci, je l'avais jamais vu encore dans mon Sostrengren. Je suis trop trop ravie, et c'était trop 2,92€ la boîte, donc j'en ai pris deux parce que c'est vraiment mon thé favori de tous les temps. Et chez Noz, parce que je suis passée vite fait chez Noz, j'ai pas trouvé grand chose, mais voilà, j'ai acheté une moutarde comme ça, un peu à l'anglaise, de chez Hens, donc voilà, à 89 centimes. Dans mes achats, pour une fois, je me suis arrêtée au rayon... dans le rayon Action, je me suis arrêtée dans le rayon, comment ça s'appelle, vêtements. Et je suis tombée sur ce petit gilet qui avait l'air, ma foi, pas très trop mal. Et il était ouvert. Je l'ai testé. Je l'ai mis sur moi. Et il est trop trop beau. D'ailleurs, il coûtait 7€, je crois. Mais regardez, il est trop trop joli. Ça se porte ouvert. Il a une matière. Honnêtement, la matière, elle est très très jolie. Il est un peu élastane. Voilà, pour la rentrée, avec un petit haut noir. Pour voilà, quand il fait un peu frais. Je le trouvais trop trop joli. Voilà, pour 6€. Je crois que c'était un record battu parce que chez Primark, j'achète régulièrement et je trouve pas aussi peu cher. Ensuite, pour les petites babioles, voilà, j'ai pris des cotons. Vas-y. Ensuite, le reste, ce sont plein de petites choses de Scrad. Mais j'ai trouvé aussi quelques petites choses aussi pour ma fille. Je vous les montre. J'ai trouvé tout plein de... Vous savez, là, des espèces d'élastiques pour mettre autour de la tête comme des bandeaux comme ça. Et j'adore, j'adore. Ils sont trop beaux sur elle. Donc, un rose, un bleu comme ceci... Un rose avec le nœud, un blanc un peu cassé comme ça, et un blanc pétant
comme ceci. Ils sont trop trop beaux. D'ailleurs, j'en ai mis un, ils se mettent super bien. Ils sont vraiment très très sympas pour le prix. Et ma belle-mère a acheté un serre-tête comme ceci pour ma fille dans les noirs et gris. C'est un double serre-tête en fait. Ça, je suis moins convaincue par ces choses-là parce que ma fille, elle les enlève tout le temps. Au niveau babiole, j'ai pris ça pour chez moi. Je ne fume pas. Vous savez, c'est des cendriers comme ça qui s'appuient. Mais ma mère fume et quand elle vient, j'aime pas qu'elle mette ses cendres partout. Donc du coup, j'en avais un, mais il se faisait vieux. Donc là, j'en ai repris un. J'ai déjà plein de brûleurs, mais celui-ci me faisait trop trop craquer. Regardez-moi ça, elle est trop beau. Et avec, ils ont mis une petite tartelette blanche, je sais pas, Tropical Vibes. Je sais pas trop ce que ça sent, mais en tout cas, regardez, il est magnifique. Vraiment très très beau. Donc celui-là, je trouve trop trop beau. Et j'en ai déjà quelques-uns chez moi, mais voilà. Un de plus, c'est pas grave. Ensuite, au niveau papeterie, j'ai pris des gros trombones comme ça pour faire des paperclips. Enfin, c'est des paperclips, mais je voulais faire des petites décorations avec pour mettre sur mon planeur. Donc des or et des un peu gold, mais ils sont pas vraiment gold. Enfin, ils sont pas vraiment rose gold, mais un peu cuivré plutôt. Mais voilà, c'était pas très cher et je me suis dit pour faire des décos que j'avais en tête, c'était parfait. Ma belle-mère a acheté aussi ça pour ma fille, hein, des élastiques. Et je vous avais pas vu celui-là. J'avais pas vu celui-là. Il est trop beau aussi. Trop beau, trop beau, trop beau. Donc en papeterie toujours, j'ai craqué pour des washi tape. J'ai trouvé enfin les fameux washi tape que j'avais vu partout en rose gold. Avec flamant rose. Ils sont trop beaux. Et en gold, avec les petits diamants comme ça. Et en argent. Je crois pas que ceux-là, je les ai. Ma fille m'a fait acheter ça, mais j'avoue que c'est bien pratique. Vous savez, c'est les sortes de petits ventilateurs. Vous mettez de l'eau minérale ou pas. Et après, vous pouvez vous pulvériser et faire du vent en même temps. Ça remplace un peu les brumes et viands, etc. qui coûtent cher. Je me dis que pour l'été, ça peut être très très sympa. Surtout quand on va partir en vacances pour le bord de la piscine ou quoi. Ça peut être bien. Donc, je vous ai montré les washi. J'ai acheté ça parce que j'ai vu dans plein de vidéos que ça avait l'air des stylos super sympas. Donc je me suis dit pourquoi pas tester pour écrire dans mon planeur, ça peut être très sympa, ou même pour ma rentrée, pour ma classe, enfin toujours utile. Pour faire donc avec les paperclips des petites choses sympas, j'ai pris des petits pompons comme ça, trop mignons. J'ai pris des petits sachets pour envoyer des cartes ou des créations à des copines, pour ranger toutes mes découpes, enfin voilà, c'est toujours utile ces petits sachets là de chez Action. Et la petite convolution chez Action là, ce sont les... J'ai trouvé des... Comment ça s'appelle? Des plaques à embosser. C'est la première fois que j'en vois, donc je suis super ravie. Vous savez, les petites plaques comme ça à embosser. Et je suis super contente de les avoir trouvées. Avec la Big Shot, vous pouvez donc embosser des papiers et faire ces formes-là sur les papiers. Donc je suis super contente. Ils étaient vraiment pas chers, donc j'ai pris ces motifs-là. Ce motif-là. Et le dernier, ce motif-là. Donc c'est trop bien, ça c'est trop trop bien. Et ma dernière petite découverte chez Action pour la papeterie, c'est ça. Ces petites merveilles là, ce sont des carnets de papier, des petits carnets de papier. Et quand j'ai vu l'intérieur, je me suis dit, je suis obligée de les prendre. Même pour faire des découpes pour la machine. Les couleurs sont trop trop sympas, donc là c'est un peu dans les tons orangé et gold. Et là, vous arrivez sur des paillettes. Enfin bon, pour faire des découpes, c'est juste fabuleux. C'est top, 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 top. Donc là, c'était dans les tons orange, gold. J'en ai pris un dans les tons vert. Et un peu argenté. Il y a même du papier holographique et tout. Non, mais vraiment trop beau. Ensuite, j'en ai pris un dans les tons bleus. En fait, j'ai pris tout ce qu'il y avait. Hein. Dans les tons bleus. Toujours avec des paillettes. Il y a un petit peu de bleu foncé. Différentes couleurs de bleu, en fait. C'est vraiment très joli. Pareil avec des holographies. Et le dernier dans les tons roses. Rose pastel. Des roses un peu plus fuchsia. Un peu plus orangé. Enfin bon. Ça rend rouge, mais c'est pas du tout rouge. Hein. C'est un peu fuchsia en fait. J'ai acheté ce petit bracelet parce qu'il me disait bien. Je l'ai trouvé mignon, je me suis dit pourquoi pas.
Mais voilà. Je trouvais ça sympa avec la petite pampille là. Je me suis dit pourquoi pas, ça peut être cool ça de mettre ça l'été pour décorer le poignet. C'était sympa. Pour finir, j'ai craqué pour une corde à sauter qui valait vraiment pas grand chose. Un peu style sport parce que je voulais faire un petit peu de corde à sauter pendant l'été. J'adore la corde à sauter, hein. C'est un truc que j'adorais faire déjà petite, mais là j'adore toujours. Avec mes élèves, des fois je fais des compétitions de corde à sauter. Oui, oui. Et j'ai craqué sur cette palette Max & More. Paraît-il que c'est une dupe d'une des dernières palettes d'Anastasia Beverly Hills avec que des highlighters. Donc je me suis dit pourquoi pas quand j'aurai le droit de me remaquiller. Alors là j'ai pas trop le droit de me maquiller, en fait c'est pour ça que mon teint il est bof. J'ai juste maquillé rapidement mes yeux et mis un petit peu de rouge à lèvres, mais le teint je mets rien du tout. Du coup j'ai hâte de pouvoir la tester aussi après, bah, quand j'aurai le droit de me remaquiller. Et pour finir, j'ai craqué pour les fameux intercalaires comme ça, trop beaux de chez Action. D'ailleurs, j'ai jamais vu l'intérieur parce que dans les vidéos, on nous montre jamais ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on va voir les autres intercalaires. Donc, le premier, il est trop beau, c'est celui-ci. Ah, mais ils sont tous pareils! Oh my god! Ah, bah, c'est pour ça qu'on montre jamais l'intérieur, c'est qu'ils sont tous pareils, ok. Bah, je pensais qu'ils étaient différents. Bon, bah non. Et j'ai pris des petits trucs comme ça, des sortes de photo boots avec des petites décos, vous savez, là, je trouvais ça trop mignon. Je me suis dit pour mes vacances, là, ça va être sympa d'emmener ça avec nous, de faire des petites photos au bord de la piscine avec voilà le donut, la petite cravate, les petites, voilà, pour la petite soirée pool party un petit peu. Je trouvais ça cool. Donc voilà pour mes achats. Action, je pense que je vous ai tout montré, que je n'ai rien oublié. Je pourrais aller ranger tout mon bazar et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo Action. Ou pas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et je vous fais plein de gros bisous. Salut.